side. We gon' set this party off right. West side, west side. We gon' set this party off right. Man, I promise. So self-conscious, she has no idea what she's doing in college. That major that she majored in don't make no money, but she won't drop out. Her parents are looking at her funny. I look cute. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est le 30 avril, je sais pas si je l'ai déjà dit ou si je l'ai pas encore dit, j'emménage seule en côte étudiant à partir de septembre. J'ai pas encore signé de contrat, j'ai même pas encore introduit de demande de chambre parce que c'est pas encore le moment, mais... ça va se faire bientôt si Dieu le veut. Donc en fait, je sais déjà quelle chambre je vais prendre. I don't want no creeps to know where I live, so... De toute façon, vous allez voir quand je vais... parce que oui, je compte faire des petits épisodes de comment se déroulent les choses. Donc je vais vous montrer quand j'irai récupérer les clés. Moi, je vous explique. Hein, moi, je suis une meuf et j'aime trop être organisée. Donc pour pas avoir la tête qui tombe partout... Bon, j'ai pas envie de vous montrer toutes mes notes quand même. J'ai créé un petit document, un document dans mes notes. C'est vraiment toute mon organisation, j'ai tout écrit, tout ce que je dois savoir. Je note tout dedans, tout. J'ai même fait un plan financier avec ce que j'ai déjà acheté, comme ça j'ai pas à devoir acheter ça dernière minute. Donc en fait c'est un petit truc que j'ai fait, un petit document que j'ai créé pour moi-même pour être bien organisée, etc, etc. Moi j'ai fait quoi? J'ai commencé les choses, les achats de ce que j'ai besoin bien à l'avance. J'emménage qu'à partir de septembre. J'ai commencé mes achats en janvier, février, comme ça. Pourquoi si tôt? Parce que je me suis dit, si j'achète les choses petit à petit, je verrai l'argent partir moins vite. Parce que logiquement, les étudiants, généralement, ce qu'on fait, on travaille pendant le mois de juillet et en août, on étudie pour la deuxième session. Si je travaille que pendant un mois, pendant les grandes vacances, l'argent va trop partir. Parce que les choses que j'ai achetées là, elles m'ont déjà coûté très cher. Ce que j'ai acheté jusqu'à présent, c'est mon four à micro-ondes, un blender, des verres, mes casseroles, puis des petits trucs de cuisine, voilà, mes couverts, je crois que c'est tout, mais je vais vous montrer après. Et chaque mois, j'ai prévu les choses que je devais acheter. Ça fait 3 ans que ma daronne, elle me dit que oui, à partir de ta 3e année, tu pourrais aller en côte. Oui, côte, c'est comme ça qu'on dit en Belgique, hein. Côte, c'est un studio, appartement, une chambre étudiante. Et ma 3e arrive, mais en fait, mes parents, ils sont très difficiles à convaincre. J'avais trop peur de leur annoncer que oui, voilà. Bon, je faisais petit à petit, hein. Moi, personnellement, je sais pas, vos parents, ils sont comment. Moi, les miens, ils sont un peu difficiles. Donc, je faisais petit à petit, je lançais des petites perches sur le fait que j'irais ou que je voulais aller en côte en septembre prochain, donc en septembre 2022. Ma mère, elle a eu, ça lui a pris énormément de temps avant d'accepter. Mon père, c'était plus chill pour je ne sais quelle raison d'ailleurs. Il n'était pas d'accord dès le début, mais il n'était pas, contre en juin. Je dois payer ma garantie locative. Donc je dois introduire ma demande. Après avoir signé mon contrat, j'ai 16 jours pour payer la garantie locative. Donc c'est pour ça que maintenant je charbonne comme une malade. Et à côté de ça, je vais à l'école. J'ai des examens comme tout le monde en juin. Voilà, donc je prépare mes examens. Je travaille toutes les semaines, 3 fois par semaine. Donc ça veut dire que je travaille 3 jours sur 5 et je vais à l'école 2 jours sur 5. Donc j'ai pas le temps de faire des vidéos, j'ai pas le temps d'être active, même pour prendre des photos, j'ai même pour voir mes amis, limite j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps. C'est avec cet argent que je vais payer ma garantie locative, parce que j'ai pas envie de demander à mes parents, oui vous pouvez m'aider, etc, non. Et il faut vous dire que c'est à peine il y a 2 jours que j'ai fait part à mes parents que... Mais vraiment réellement, genre dans le sens où je les ai fait s'asseoir, et moi pour être beaucoup plus convaincante, devinez j'ai fait quoi? J'ai carrément fait un PowerPoint. Je vais pas vous montrer, non je vais pas vous montrer parce que vas-y, ça prend trop de temps. Mais j'ai carrément fait un PowerPoint avec tout ce qu'ils devaient savoir. J'ai tout marqué dans le PowerPoint pour que ça soit plus convaincant, que ça montre mon sérieux, etc, etc. Donc si vous souhaitez faire la même chose et que vous avez des parents un peu compliqués, je vous conseille de vraiment leur montrer que vous êtes sérieux et que vous êtes investi. Et je vous conseille de faire ça. Moi j'ai fait ça parce que je connais mes parents. La pilule elle est passée crème, je suis trop contente. Donc j'ai l'approbation de mes parents. Je trouve que c'est très important dans la vie d'avoir la bénédiction de ses parents. Je vais vous montrer du coup les choses que j'ai déjà achetées. Oh putain, non, j'ai la flemme. Je vais pas vous mentir, j'ai trop la flemme. Donc là, vous voyez mon blender, mes couteaux, mon micro-ondes, des verres à cocktail. Voilà, parce que je les trouvais trop beaux en fait. Mes couverts.
ça, je sais pas c'est quoi. Ah oui, c'est le truc de la cuisine, le grill. Donc voilà. Donc là, je vous ai juste montré vite fait, hein, mais je vous montrerai ce que j'ai acheté. Et prochainement, quand j'irai à Ikea, je prendrai ma caméra avec. Là, c'est tout pour aujourd'hui. Et on s'attrape très prochainement pour un update. Bisous. Salut tout le monde. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai signé mon contrat. Ouais, voilà, donc ce matin, enfin, ouais, on va dire ce matin, j'ai signé mon contrat et du coup, voilà, j'ai 7 jours pour payer la garantie locative. Je pense vous avoir dit que j'allais la payer en juin et c'est ce que je pensais faire. Je croyais que j'allais la payer en juin parce que c'est ce que le monsieur, il m'avait dit. Heureusement que vendredi passé, du coup, j'avais envoyé un mail pour demander comment ça allait se passer, comment est-ce qu'on allait être mis au courant. Ils m'ont répondu. Ils ont dit que oui, on a déjà commencé. C'est là que je me suis dit vraiment, mais wesh, quoi, vous voulez pas prévenir mes gens en fait. Du coup, bonne nouvelle, j'ai réservé ma chambre, je dois juste encore la payer. Du coup là j'ai eu ma paye, donc ce sera carré, je vais la payer demain je pense. Du coup voilà, aujourd'hui petit programme, je vais rien acheter, je vais juste faire du repérage. Je vais partir avec ma mère, elle sait pas encore mais voilà. Avant de partir je vous montre ma tenue. Une paire que j'ai acheté sur Vinted, un legging noir et un pull qui vient de AliExpress. Ah attends, ça c'est quoi? Ça je veux ça moi. Ah voilà les gars, ma daronne elle sait pas mais moi je prends déjà des trucs pour en septembre. On sait jamais. Moi je prends. Voilà je prends. For the spaceship, I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim a lot of stage like a laser tag. Fuck a rich bitch, having rich sex. Smoke a lot of trees, need a weed plant. I did take all day, where to lean at. Sleeping on these jeans is a beanbag. Got me going jeans, cause a cool rat. Checking from my fan, life is fantastic. I was broke as hell, sleeping on the mattress. Petit update rapide les gars, là on est le 6 mai et j'ai reçu mes marmites. Alors je vous montre. Ah oui bon, par là elle m'a dit que je dois arrêter de dire marmite et dire casserole parce que marmite ça fait tantine. Donc voilà, je vous montre mes poils. J'ai acheté sur Groupon, je vous mettrai le lien. Et c'est des plaques, enfin c'est des casseroles à induction. Parce que mes plaques sont à induction. J'ai l'impression quand même qu'il me faudra encore une poêle un peu plus grande. Ma mère elle m'a dit non. Je suis trop contente parce que les choses avancent. Et je vous ai pas dit, je vais pas montrer ma tête les gars parce que là je me sens vraiment à mort. J'ai enfin payé ma garantie locative. Là tout est carré je pense. Tout est carré, c'est bloqué en fait, c'est pour moi. C'est pour moi, j'ai mon studio officiellement donc voilà. Là je vais ranger mes affaires et voilà on s'attrape prochainement. Bisous. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est, je crois on est le 2. Attendez, mon téléphone. On est même pas le 2, on est le 3 juin carrément. On est un mois plus tard. La dernière fois que je vous ai vu, je vous ai montré mes casseroles je pense. Je suis trop mignonne, wesh. Bref, donc ouais là du coup on est un mois plus tard. Là aujourd'hui sur le planning, je vais au Ikea. Je vais faire du shopping en fait aujourd'hui, je vais claquer mon argent. Je m'en fous, j'ai passé 2 mois à stack my money. Là maintenant c'est mort. Là maintenant c'est mort. J'ai envie de dépenser, j'ai des pulsions frère, là j'en peux plus. Je dois passer, je sais pas si je vais vous montrer toute ma journée. Je pense que je vais juste vous montrer ce qui est nécessaire pour ce vlog en vérité. Je vais aller au Ikea avec ma cousine, elle va me rejoindre. Enfin je vais aller la chercher. Et enfin la chercher, je vais aller la récupérer au taf. On part ensemble et du coup bah, je vais vous emmener avec moi. Je vais vous montrer un peu ce que j'achète, etc. Ce qui m'intéresse, nanani, nanana. Là franchement les gars, je vous mens pas. Genre il me reste encore 3 mois, je vous mens pas. J'ai l'impression, je déménage, genre j'ai acheté une maison. Comme si je bougeais dans un appartement. Mes frères, je vais juste en côte. Moi dans ma tête, c'est vraiment
C'est vraiment une robe de fou en fait. Dans ma tête, c'est trop une robe de fou. Je suis trop excitée. J'ai envie de tout vous montrer, les gars. Mais vraiment, je vais faire un. Je sais pas si je. Ouais, je vais sûrement faire un haul en vrai. Mais pas maintenant. Ça sera sûrement pas dans cette vidéo. Je vais sûrement aussi faire un réel. Non, pas un réel, un TikTok. Franchement, je vous mens pas. Je me sens archi fraîche là. Petit bob, petite lunette, bien maquillée, etc. Ça fait 3 mois que je me suis pas maquillée. Là, maintenant, vraiment, je me suis dit non. Ma tenue, je vais vous montrer ça après. Les détails, etc. Ah, oh, mes bijoux! Aujourd'hui, je vais mettre ma montre préférée. Ma montre préférée. J'en ai plein hein, des montres, mais celle-là, c'est vraiment. C'est la plus récente, mais c'est vraiment ma préférée, quoi. It's giving. Je sais pas. Là, je suis en train de me dire, je sais pas comment je vais faire plus tard. Du coup, quand je serai seule, pour fermer mes bracelets, il n'y aura plus personne pour m'aider. Ouais. Ah, attendez. Should I wear an anklet? Mm. Donc voilà, là j'ai mis mon collier. Voilà, we're ready to go. Mais je suis une ouf. J'ai quand même besoin de mon panier. Oui, je sais pas. Star, moi je suis pas bloquée, ouais. Donc madame en fait ici, elle fait charger son téléphone en bas, mais elle a besoin de son panier sur son téléphone. Du coup elle s'est connectée sur mon téléphone, du coup j'ai plus de téléphone, bref. On va rêver de la vie les gars. Moi je sais pas vous, mais moi quand je vais à Ikea, ça me donne... ça m'excite. Ça me donne envie d'enlever les habits. Oh, les gars, regardez. C'est trop magnifique. Je vais te montrer moi. Tu as devenu moi aussi. Quoi? Ouais. Ça, c'est moi, hein. Voilà. En fait, c'est cozy niche. Tu vois la lumière? Elle est parfaite, genre. C'est bien. C'est entre les deux. Ouais, de ouf, de ouf. Moi, j'aime trop. Les gars, j'en profite pour faire une petite photo. Bon, là on a fini de faire quelques photos. On est plus dans le showroom en train de regarder ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Après ça, on va avancer. On va avancer dans le... Comment ça s'appelle, self-service? Ça, c'est toi, hein. Le carpet... comment... Non, pas carpet. Le car... parquet. Le parquet. Je vais voir la table que je cherche parce que je sais que... En fait, je sais même plus, ça s'appelle comment. C'est pas ça? C'est celle-là? Non, les chaises du coup c'est ça. Ça mais du coup en blanc. Parce que c'est les moins chers. Je trouve pas ma table. C'est ça? Ah, peut-être c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Hein. Ah si, c'est ça. Oh mon dieu, j'ai l'œil. Ça c'est la grande. Moi, c'est pas celle-là, putain. La mienne, c'est celle de 80 sur 120, je pense, ouais. Et ça, c'est 120 sur 180. Je vais vous mettre un peu dans le contexte. Donc, en fait, là-bas, il y a déjà un bureau qui m'attend. Mais c'est un petit bureau, tu vois. Et à la base, ce que je voulais faire, c'est rajouter une petite coiffeuse juste à côté pour que ça fasse 2 meubles comme ça. Un pour travailler et un pour me maquiller, etc. Sauf qu'au final, je me suis dit, ça va me bouffer trop de place. Donc, ce que je vais faire, le bureau qu'il y a déjà là-bas, je vais le laisser chez moi à la maison, chez mes parents.
et je vais remplacer avec un grand comme ça. Il y aura un tiroir pour mettre mon maquillage et un autre pour mettre mes livres. Du coup, c'est je sais pas si c'est, je sais plus si c'est exactement celui-là parce qu'ils en ont plusieurs comme ça. Je pense pas que c'est celui-là en fait. Mais c'est un similaire. Ça, c'est le petit plan que j'avais pour gagner de la place. Ouais, c'est celui-là. Donc, je suis en train de voir pour les chaises de bureau. Je crois que je vais prendre ça. Mais j'ai envie de voir si c'est assez haut. Parce que, en fait, c'est une chaise que tu peux pas. C'est une chaise que tu peux pas monter descendre, si j'ai bien compris. Ah, si! C'est bien du coup. Parce qu'en fait, j'avais peur. Je voulais prendre cette chaise, mais j'avais peur que ça soit trop bas pour ma table de bureau du coup. Mais ça va en fait, puisque tu peux monter et la descendre. J'aimerais bien celle-là, mais elle coûte cher. 130 euros pour une vieille chaise, vas-y, c'est bon quoi. C'est trop bizarre, les gens, ils ont pas l'habitude de voir les gens bloqués. Ils me voient parler à une caméra, ils se disent, mais la meuf, je suis de plus en plus à l'aise. C'est trop bien. Ça, c'est bien pour la salle de bain. Ouais, ça, c'est bien pour la salle de bain, parce que dans ma salle de bain, j'ai pas de tiroir. Il n'y a pas de tiroir, donc ça sera à base de trucs comme ça. En fait, hier, j'en cherchais sur le site, mais je trouvais pas en fait le mot de catégorie exact pour ce genre de choses. Du coup, là, du coup, je vais juste chercher les nards et carrés, quoi. En vrai, je peux même acheter ça aujourd'hui, mais bon. En vrai, je peux même acheter ça aujourd'hui, hein. Ouais, c'est vrai. Les matelas, ça coûte cher, les gars. Punaise. Les matelas en fait c'est le prix d'un lit. Moi je vais dire aux parents, achetez-moi mon matelas. Mais ça, c'est un matelas. She be on my mind. Baby girl wine fine. She say she all mine. That little nigga from Pompano. Et le code that boy you already know. Je te conseillerais pas de mettre ta tête dessus. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais, mais toi, t'es pas une personne des coussins. Déjà, tu dors sans coussin. T'es là, tu me dis, il est bien. T'es même pas objectif, toi. Attends. Bah non, parce que du coup, tu connais pas la différence. From Pompano. Hey, look, call that boy, you already know. Les sections salle de bain, je vois des choses qui m'intéressent. Alors, c'est pas dans mon panier, mais I'm thinking. En plus, c'est mat, ça va avec mes assiettes. C'est quand même 14 balles la poubelle, hein. J'ai l'impression que je peux trouver moins cher. 15 balles. Ouais, non, j'ai l'impression que je peux trouver moins cher. Si je trouve pas moins cher, je reviendrai vers Ikea. On est enfin dans le self-service, les gars. Je suis trop contente parce que là, maintenant, c'est toutes les choses qu'on peut vraiment acheter. Donc ça, c'est les bols qui sont dans les sets que je vais prendre. En fait, ça fait plus gris, gris foncé que noir au final. T'aimes bien? Les petites assiettes, elles sont où? Mais il me faut des assiettes pour les pâtes et tout, hein. Even when she smiled, oh, she really missing my pop. Told me keep my hands off the stove, it's real hot. But my nigga said it's okay for me, so I touched the pot. I'm in a soul vibe, head first and I'm bought mine. I just met me a power high, it's about time. The mama ride or die, she be on my mind. Moi j'ai déjà acheté mes couverts, j'ai pris ceux-là, vraiment les moins chers. Je ne suis pas tâtée la tête, mais en fait, je sais déjà que j'aime pas les cuillères de celui-là. Genre, c'est pas, elles sont pas assez creuses. Donc, je crois que je vais quand même acheter des nouvelles cuillères plus normales. Et je les ai prises ici. Et elles s'appellent Ma. Eh, 6 euros pour 4 cuillères. Punaise. Je devrais pas aller aux actions. Loud dog, tan to beat up. If not, I'm in a Jaguar, tan to street up. I swear that, word that, heard that. Say that boy would never be shit, I heard that. Pretty young thing, she be doing a thing. She jump on a nigga dick and have me going insane. Ever since I got it. Vraiment, je suis en train de faire mon petit TikTok en même temps, hein.
Ma table, elle est blanche. Mes assiettes sont noires. La nappe, elle doit être quelle couleur? Où est-ce que je vais trouver du gris clair? Ah, déjà ça. Pour l'instant, on a ça. Ça avance petit à petit. Ça, j'ai pas vu ça non plus. Mais ça m'étonne en fait. Peut-être qu'on le passe à côté. Ça, on a. Ça aussi, on a. Ça, on a. Ça, j'ai pas encore vu. Mais en fait, je crois qu'il faut qu'on retourne dans la cuisine parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vu. Oh, you think you in a group? Get that shit split up. Tryna suck me laying down, I made that bitch sit up. Yeah, hot box, dirty stick. Je suis en train de me dire, est-ce que je veux ça? Parce que c'est combien là? 4,99. Non, les gars, wesh, c'est des malades. 4,99 pour. Non, vas-y. En fait, les prix me donnent le vertige, les gars, je vais pas vous mentir. Comment un petit truc comme ça peut coûter 7,99? Les gars, j'en peux plus. Les gars, franchement, j'en peux plus. Je suis fatiguée, j'ai envie de me démaquiller, j'en ai marre. J'en ai marre. Je savais pas que c'était aussi. Eh, je suis fatiguée, hein. J'ai mal aux jambes là. Pour l'instant, je vais vous montrer ce qu'on a. J'ai trouvé le tapis de. Enfin, un meilleur tapis de bain que ce qu'il y avait dans mon panier. Celui-là, il m'a l'air d'agripper mieux le sol, genre. Ça va glisser moins facilement que l'autre. Et il est moins cher. C'est pas la couleur que je voulais, mais bon, ça reste dans les tons. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, moi, tout est blanc chez moi, déjà, pour commencer. Donc, je veux des accents noirs et roses. Donc, il y aura des petites touches de rose, des petites touches de noir, comme des trucs comme ça, par exemple. Ça, c'est pas la couleur que je voulais, mais en même temps, le gris, voilà, quoi, c'est pas... En plus, c'est pour la salle de bain, en vrai, donc on s'en fout un peu. En fait, ce qui craint avec les cotes et les appartements, etc., c'est que tu loues et du coup, tu peux pas faire ce que tu veux, genre... Tu peux pas peindre les murs d'une autre couleur ou tu peux pas faire des trous dans les murs. Du coup, ça craint un peu. Et à la base, ce que je voulais, c'était les choses que je vais accrocher au mur déjà. Je vais les accrocher avec de la colle ou du scotch double face comme ça. Comme ça, ça tient bien au mur. Et c'est ce que je voulais faire pour tu vois, vous voyez les trucs, les trucs là, les barres où tu accroches tes essuies pour les étendre. Bah, je voulais faire ça avec un scotch double face, mais au final, je me suis dit, vas-y en fait. Donc j'ai juste trouvé des petits crochets que je peux accrocher à ma porte du coup et accrocher mes essuies là-dessus pour que ça sèche. Du coup voilà, j'en ai pris que deux parce que j'en ai pas besoin de quatre. J'ai pris des petits couteaux noirs. Mon père il appelle ça les couteaux noirs. Je sais pas c'est quoi le nom, mais des petits couteaux noirs du coup pour quand je sais pas moi je vais manger des spiringues. Quand par là elle va me faire des spiringues. Je suis malade. Ah bah pas de spiringue alors. Parce que j'aime pas les spiringues moi non plus hein. C'est trop la viande de la fête. J'en ai trop mangé dans ma vie. Bref, donc je sais pas moi, peut-être j'en aurais besoin pour... Je sais pas moi, j'en aurais peut-être besoin hein, pour... Je sais pas moi. À la base j'ai déjà un set de couteaux de cuisine. Mais y a pas les petits couteaux comme ça. Et ça c'est des petits couteaux de tous les jours en fait. So, voilà. Bon là on va chercher le paillasson. On va chercher le paillasson et puis on va se poser, on va manger. Bon voilà les gars, au final on a fini. J'ai trouvé mon paillasson, il est juste là. Il est bleu foncé, il n'est pas noir. Mais bon, ça va. Il est à 95 centimes, donc franchement je vais pas me casser la tête pour un vieux paillasson en fait. Un truc sur lequel les gens ils vont marcher dessus, franchement. Mais voilà, j'ai juste pris ça. Et voilà, on a fini, là on se dirige vers la caisse. On verra, ça fait combien le total? Normalement ça doit être dans mon budget parce que j'ai un budget de 130. Ça devrait aller. The concept of school seems so secure. Sophomore 3 years, ain't picked a career. She like, fuck it, I'll just stay down her and do it. Cause that's enough money to buy her a few pairs of new ears. Cause a baby daddy don't really care. She's so precious with the peer pressure. Couldn't afford a car, so she named her daughter Alexis. She had hair so long that it looked like weave. And she cut it all off, now she look like Eve. And she be dealing with some issues that you can't believe. Single black female addicted to retail as well. And when it falls down, who you gonna call now? Come on, come on. And when it
watches. That's why you always see me with at least one of my watches. Rollies and Poshes that drove me crazy. I can't even pronounce nothing past that for safety. Then I spent $400 on this just to be like, nigga, you ain't up on this. And I can't even go to the grocery store without some ones that's clean and a shirt with a team. We live in the American. Je vais arrêter cet épisode ici. Comme je vous ai dit, c'est une petite série que je vais faire, une petite série de vidéos. Donc, il y aura plusieurs vidéos concernant mon déménagement et ma nouvelle vie, etc., etc. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, partager, liker, c'est comme vous voulez. Et on s'attrape très prochainement pour la suite. Bisous.